j'ai eu cette idée-là depuis que j'étais étudiant. Et j'ai commencé avec deux pères. Bon, c'est après ça que j'ai entendu parler de Fassège. Avant ça, j'avais commencé, mais je n'avais pas tellement de fonds puisque bon, lapin, ça évolue vite, mais pour pouvoir satisfaire le marché, donc il faut faire la production à grande échelle. Les objectifs, c'est de produire des lapins en grande quantité. C'est grâce à ce financement-là que moi-même, j'ai pu réaliser au moins beaucoup de choses, puisque vu la ferme comment est service aujourd'hui, à Kouchala, on est incontournable, ça c'est sûr. Bon. Il y a cela 3 ans et quelques mois maintenant, et c'était avec mon argent de poche. Lorsque nous avons commencé, on n'avait pas les moyens de créer une boutique. Donc même après 2 ans, on continuait à évoluer sur les réseaux sociaux. On faisait moins de prêt-à-porter. Avec l'aide du Fassège, nous avons aujourd'hui notre showroom et nous avons du prêt-à-porter, même si nous continuons avec du sur-mesure. Donc du coup, ça nous a ouvert une porte. Un de nos rêves s'est réalisé. Nous avons le showroom qu'on voulait. Merci Fassège et merci à vous d'aider toutes ces petites entreprises maliennes. Et voilà, les gens qui ont aussi le doute de vouloir faire confiance au Fassège, ils peuvent le faire. Ça va les aider à diversifier leurs programmes et à agrandir leur entreprise. Mon entreprise, je l'ai mis en place grâce à Dieu et grâce à la Fassège. Parce que la bijouterie, c'est quelque chose que je fais depuis mon jeune âge. C'est un travail que j'ai trouvé dans ma famille. Mais pour que ça soit une entreprise légale, il a fallu l'appui du Fassège. Donc ils m'ont aidé, ils m'ont aidé à mettre les documents administratifs en place, avoir un numéro NIF, avoir un registre de commerce. Et ils m'ont aidé à faire un plan d'affaires pour avoir un prêt au niveau de la banque, pour pouvoir investir encore de plus dans mon travail. Et surtout, avec la formation de Fassège, ils nous ont appris comment gérer le stock pour qu'il n'y ait pas de rupture de stock, comment gérer les matières. C'est une éducation à part entière, donc je pense que c'est beaucoup nécessaire pour tout jeune. Alors moi, Dame Green, je travaille dessus depuis 2016. Donc, c'est une entreprise que j'ai pris le temps de mûrir. Bon, après 2016, lorsque j'ai été lauréate d'un programme européen, j'ai mûri l'idée d'entreprise. Et ensuite, j'ai participé au programme Fassège en 2019 et en tant qu'entreprise en création. Et c'est au cours de ce programme-là que j'ai créé officiellement l'entreprise d'Amgrim. Moi, je le dis et je le répéterai toujours, un programme comme le Fassège, il y en a, si je peux me permettre, jamais eu au Mali. Ou très peu, en tout cas pas à ma connaissance. Donc c'est un programme qui répond totalement à cette problématique de financement-là. On peut être un jeune porteur qui a un projet auquel on y croit, qui est totalement ficelé, qui est bon, qu'on est à fond dedans, mais si on n'a pas le financement, ben on n'avancera pas. Et le programme Fassège, ça permet aux jeunes pousses, comme je l'étais d'ailleurs, de passer de l'étape de projet à l'étape de création d'entreprise. Aujourd'hui, je veux parler au nom de ma patronne, Agacha Ouattara. Dès son jeune âge, elle voyait sa grand-mère qui confectionnait les savons et des tisanes de produits de beauté. Donc c'est de là où est née sa passion pour les produits cosmétiques. Vu l'état du pays, ce n'est pas facile de monter son projet, de la promouvoir, d'avoir la visibilité qu'il faut. On voit qu'il n'y a que le marché européen qui domine ici. Et pourquoi pas notre marché aussi? Fassège, c'est vraiment important pour nous parce que même si aujourd'hui moi je suis là et qu'il y a beaucoup de personnes qui me voient aussi, c'est grâce à Fassège parce que c'est eux qui ont organisé ceci aujourd'hui. On est là, il y a 2 jours de cela, il y a 2 jours maintenant. On a exposé nos produits. Beaucoup de personnes ne nous connaissaient pas. Grâce à Fassège, on a eu la visibilité, les gens sont passés. On a donné des flyers, on les a expliqués et beaucoup ont acheté aussi. Donc ça, c'est grâce à Fassège aussi. Tout d'abord, nous avons commencé à travailler sans avoir l'aide de personne. Nous avons travaillé sur notre propre fonds pendant 1 mois et demi, 1 année et demie. Et au-delà de ça, nous avons entendu parler de Fassège.
qui nous a épaulés, qui nous a soutenus tout au long de notre travail. Parce qu'avant, on faisait le travail, on avait besoin d'équipement pour faire booster notre productivité. Mais avec l'aide de Fasège, qui nous a aidés financièrement, moralement et techniquement. Et ceci nous a permis également d'avoir des équipements nécessaires pour faire notre travail. Actuellement, nous le remercions très sincèrement. Le Fasège est très important pour nous les jeunes, surtout les débutants. Parce qu'il y a pas mal de jeunes qui ont envie de travailler, qui ont l'idée, qui veulent entreprendre, mais malheureusement n'ont pas les moyens. Donc la Fasège, c'est un moyen, c'est une solution pour les jeunes.